Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Overwatch, chers amis. Donc après la rage sur le coq, nous allons tenter autre chose. On va prendre un soldat, tout ce qu'il y a de plus classique, et on va bien voir si on va réussir à faire quelque chose avec. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que t'as... Hop, bah bien sûr. Enfin bon, c'est... Oui, je me doute bien. Alors il aurait fallu que je prenne Ah bah écoute, je vais prendre absolument Torbjörn, qu'on rigole. Vu qu'apparemment il est... utilisé, on va dire. Donc, on va bien voir, on va se faire une défense du tonnerre, et puis on verra bien si ça marche ou pas. Vu que ça a l'air de marcher. Allez comprendre. Hop. Crac. Alors oui, j'ai enlevé le père Tourelle en termes de... Il n'y avait pas d'autres sprays justement. Ok. Oh, quel beau potentiel. Tourelle déployée. Voilà, on va mettre une tourelle ici. Ah bah dis donc, notre Symmetra c'est une divinité. Allez! Allez! Non, marteau, rien du tout. Récupérez le drapeau. Parfait. C'est des cochons. Ok, bon. C'est parti, on attend. Hop, je peux pas le toucher celui-là. Ah bah voilà. Ça y est, j'ai réussi. Ma tourelle se fait détruire. Je vais péter le mur du monde. Je vais te réparer. Hop. C'est vrai que là, elle pourrait pas être mal aussi, ma tourelle. Allô? L'assaut déluge de la justice. En fait, je crois qu'il est déjà tombé. Ah non. Bon, bah apparemment, tout baigne. Là, on a plus personne sur place, donc autant revenir. Hop. Les héros ne meurent jamais. Mais il y a un truc. Crac. Voilà. Armure, c'est la cherchée. Voilà. On n'a plus qu'à attendre que le Reinhardt il arrive. Oh le. Hop. Crac. Ça se passe plutôt bien.
Bah alors Reinhardt, on fait sa pause? Bon. Je suis à court de ferraille. Merci. Ça va être bien pratique ça. Crac. De l'armure ici. Voilà. Alors. Dégâts augmentés. Parfait. Votre équipe a le drapeau. Merde. Ah, j'ai entendu les pas du comment du bastion et je me suis dit ouh merde. Qu'est-ce que je fais là? C'est pas grave. C'est joli à voir, une sombra qui court, si je puis dire. Je t'en prie. Hop. Allez, reviens qu'on rigole. Oh, merde. C'est pas ce que je voulais faire. Au moins je les tiens à distance, mais je pense que j'ai perdu une occasion de garder mon ult. Hop. Non. J'aurais pu tirer de là-bas. Ok. Bien joué. Oh! Suicide? Hop! Crac! Ok. Attention à la Pharah. C'est bon. Hop. Ça devrait être bon. Oula. Où est-ce qu'il était le Genji? Ah bah il va être mort maintenant. Bon bah voilà, on a réussi enfin à avoir une victoire. Donc il faut utiliser une compo dégueulasse hein, Ah bah oui, ça je montre que c'est moi hein. Ça c'est clair hein. J'ai bien vu le moment où je l'ai eu. Et pour une fois c'est pas ma tourelle. Hop. Classique. 26% d'armure. Oh la vache. Ok, bon bah je vais la mettre titanium. Oui titanium c'est bien ça. Ok, bon, on y retourne. On va bien voir, on va en profiter pour ouvrir le coffre si on a le temps entre deux. Dépêche Marcucus. Alors apparemment vous avez été très chanceux, je croise les doigts pour un skin de... bah non même pas. Ah mais c'est une... Ah cool. Cool, je suis content de l'avoir. Je suis très content de l'avoir. Parfait. Ok. Cool. Je suis très content de l'avoir. Alors là je comprends pas pourquoi il y a ça. Parce que je trouve qu'elle ressemble... Ah c'est marrant, elle ressemble à une de mes amies. Vu comme ça. Mais c'est pas une asiatique, mon ami, c'est le problème. Elle ressemble énormément d'ailleurs. Ça fait bizarre. Ça fait presque bizarre effectivement. Du coup, on a suffisamment de points pour se payer un truc. Où est-ce qu'il est le nouveau? Ici. Lion de bon augure. Et donc, j'ai bien envie de me payer celle de Ange. Celle de Ange en or est vraiment jolie. Est vraiment très jolie. Allez, on y va. Craquons, chers amis. Craquons.
Même si, bah forcément, moi c'est Sigrun qu'il faudrait que je tombe, que j'ai réussi à tomber Sigrun sur un coffre, ce serait vraiment cool. Bah pourquoi le truc s'est annulé? J'ai cliqué sur annuler sans faire gaffe? C'est possible. C'est fort possible, mais bon, ça m'étonne. Ok. Alors cet épisode-là s'appellera Boom dans ta face, vu qu'on a obtenu le Boom dans ta face. Boom dans ta face. Voilà. Normalement, j'aurais tourné aussi un Robocraft derrière et deux élites Dangerous. Je sais pas si je vais avoir le temps. Je sais pas si je vais avoir le courage non plus, parce que là, il est déjà 17h05. Faudrait que j'aille faire quelques courses. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Bon alors, la partie est bien ou pas? Ça fait plus d'une minute qu'on attend Marcus, là. C'est pas normal, Marcus. Je m'insurge, Marcus. Jackalstein. Alors du coup, ça ressemble à quoi quand tu le fais, toi? Forcément. Ah, cool. Bah, au moment où Skrillex 95 se connecte, on a réussi à avoir un truc. Bon, bah, c'est cool. Lucio, non. Non, par contre, j'ai bien envie de partir sur une Symmetra. Ah ah! Ah ah! Mon nom est Sim. On est toujours pas en préparation. Quoi? On attend des joueurs. Écran photonique déployé. Photonique, ta mère! Ouf! C'est quoi ce dent? Comment qu'est-ce dandine du cul? Regardez ça! Putain, si toutes les filles faisaient ça quand elles s'asseyaient! Boum! Ah bah tête. Ah bah d'accord! Bien! Bien le jeu! Allez, ellipse! Re, cher ami, bah écoutez, je suis dégoûté, c'est encore la même. Bon bah, enfin, on est encore en attente, donc je vais attendre un petit peu, hein, tant pis. Déjà, on va attendre. Ah, on a une équipe en face. Ça y est. Ouh! Préparez-vous au combat. On a quoi? D'accord, bon bah, j'ai plus qu'à pique. Et Retorb. Retorbjorn. Torbjorn qui a donc un pistolet clic gauche qui fait une cadence de tir lente mais précise. Un clic droit qui est un shotgun. Un marteau aussi pour frapper tout simplement. Pour réparer la tourelle, l'améliorer ou frapper un ennemi. La capacité ultime, c'est le cœur de magma qui permet d'augmenter sa cadence de tir et sa vitesse d'attaque. Améliore temporairement la tourelle de niveau 2 au niveau 3. E pour fabriquer un module d'armure. Mage pour fabriquer une tourelle. Et en passif, il a ferrailleur, un des rares passifs. Qui lui permet en fait de récolter donc sur la durée de la ferraille qui permet de créer ces fameux modules de défense. Hop. C'est un var dans la dynastie Ming. Un cas de femme. Oh, des oignons. Non, c'est quoi? Parce que ça ressemble pas à des oranges, ça ressemble plus à des oignons en termes de forme. Bon, en tout cas, il n'y en a plus. Ça non plus, on a plus. Ça non plus. Ok, bref. Ah! Ah, mes yeux! Gueh. Tellement de précision dans ce tir, Marcus. Oh, quel beau potentiel! C'est parti! Hop! Ça, c'est ce que j'avais en tête! Ils sont déjà tous partis? Oh les fifous! What? Pfff. Ah bah là ça va pas faire un pli hein. Pas combien qu'on a plus le drapeau? Il reste du boulot. Ah bah oui, non mais il va faire le café lui hein, clairement hein. Oups, t'es arrivé une couille, toi. 1-0. Mais c'est bon, je connais ta planque maintenant.
Où est-ce qu'elle est? Tu peux utiliser ça? Voilà. Je serais pas contre un peu de heal. Est-ce que je gagne du heal si je suis dans le truc? Non. Ah ben, mais pourtant. Ok. Ma capacité ultime se charge. Ma capacité ultime se charge. Bon. Beaucoup mieux. De l'armure ici. Il me faut plus de ferraille. Hop. On va commencer à poser les trucs. Ennemi détecté. Tourelle ennemie droit devant. Hop. Ah! J'ai pas vu Torben arriver dedans! Je l'ai pas vu. Bon, c'est pas grave, c'était pour la blague. C'est ce qu'on appelle une incursion dans le camp ennemi. En parlant d'incursion dans le camp ennemi, putain, j'ai vraiment. Je sais pas pourquoi, j'ai regardé une ou deux vidéos. Oh merde! C'est bon. C'est bon, on a tué Gériac. J'ai regardé des vidéos sur Ghost Recon Wildlands. Et putain! Ça fait le café, hein. Ah là, Il y a un jeu potentiel là, hein. Protégez ma tourelle. Et tu réagis ou pas? Tu n'es pas digne de la vague comme neuf. Oh, c'est beau comme une crèche. Bon, apparemment, il y avait un Genji qu'on pouvait pas viser, hein. Hop. IEM chargé. On l'a fait. Ok. Ouais. Hop, voilà. Bonjour. Hop. Armure, et la chercher. Crac. Il me faut plus de. Pas assez. Il y a de la santé quelque part normalement. Quelque part il y a de la santé par là. Non ? Ma capacité ultime se charge. Par contre là on en a déjà deux qui sont. Non, c'est pas la peine d'y aller. Il y en a déjà quelques-uns qui sont morts. Crac. Armure disponible. Sur la gauche, un bastion. Nir Turel. Merci. Turel. On tire sur ma tourelle. Ils prennent l'objectif. Non mais oh! Tu vas te calmer! Non mais oh! Y'a un problème? Ça se bouscule dans ton slip? Hop! Voilà! Bon, tout le monde est mort sur place, ça sert à rien de dire. Où est-ce qu'il est le fameux bastion? Tourelle ennemie neutralisée. Ok. Je vous remercie. Il faut plus de capacité ultime prête. Hop. Merci. Encore 60 secondes. Ils vont jamais venir le chercher de toute façon. T'es beau comme un arbre à cam. C'est trop chaud pour vous.
et j'en avais encore sous le pied. Alors, où est-ce qu'ils sont? Là, j'aimerais bien savoir, par exemple, que lui, il mette sa flèche... C'est chez eux qu'il y a une Symmetra. Non, c'est chez... une Sombra. Non, c'est chez nous. Encore un petit peu. Restez sur la défense. Ben, y'a personne. IEM activé. Hop. Je suis un caillou. Oh, bah. Encore un peu. Oh la vengeance de la Pharah. Oh bah finalement il y aura personne. Oh pardon le singe. Pardon le singe, je suis désolé, hein, j'avais pas vu que t'arrivais. Ça fait bizarre comme équipe. Ça fait très bizarre comme équipe. Oh c'est Hugo FR qui a eu la... Qui a eu la palme. La palme du Torbjörn. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a appelé réacteur de marma de magma. Ça m'étonne. Non, je ne vais pas rester en équipe, désolé. Hop, nous sommes à 9 minutes de plus, donc ça fait à peu près 20 minutes d'épisode. Non, je pense qu'on va se laisser la charnière pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, en tout cas c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo.